depuis mon arrivée cette année. Je m'aperçois que les enseignants, toute l'équipe éducative, les parents d'élèves, les élèves sont au travail dans cet établissement, donc ce n'est qu'une juste récompense que le lycée soit le premier en valeur ajoutée en Île-de-France. Un petit peu surpris malgré tout, mais en tout cas, voilà, heureusement surpris. Voilà. Donc ici, on en est l'exemple qu'on peut réussir dans le 93 assez aisément. L'établissement a décidé de faire un choix, réel justement sur l'accompagnement personnalisé des élèves en termes d'horaire, en termes d'heures. Nous avons aussi énormément de soutien pour les élèves sur la pause méridienne, mais aussi des DST pour les premières et les terminales tous les samedis matins. Oui, des devoirs sur table, c'est-à-dire des contrôles le samedi matin. On va dire que certains élèves sont abonnés quasiment les trois quarts de l'année à venir le samedi matin en DST. Nous avons aussi une semaine de révision pendant les vacances de Pâques qui s'appelle Objectif Bac. Donc voilà, c'est encore basé sur du volontariat, mais en tout cas, les élèves y participent massivement et les professeurs également. Donc voilà, ça ne peut amener qu'à la réussite de l'établissement. Donc oui, une fierté malgré tout, mais surtout un confort. C'est très agréable de travailler et avec l'équipe enseignante, et avec l'ensemble des personnels de l'établissement, et avec ses élèves qui sont particulièrement courtois. S'il y a quelque chose que je dois faire au lycée, c'est d'essayer de proposer des projets. Être actif, essayer de rendre le lycée dynamique et de faire tout pour que tout le monde s'y sente bien, s'y sente chez soi. Tout ce que les professeurs y font pour les élèves, je pense que c'est ce qui fait que le lycée il est premier. À l'unanimité, moi aussi, hein, je pense que ce sera le corps enseignant. Même si on a un objectif principal, c'est le baccalauréat, l'objectif c'est aussi le post-bac. Nous avons une convention avec Sciences Po égalité des chances, donc nous avons d'ailleurs 6 admissibles cette année, qui nous permet d'avoir un recrutement, on va dire, plus favorisé justement sur l'école, la prestigieuse école de Sciences Po. On cherche des partenariats actuellement, justement, davantage de partenariats, peut-être en Lorne Uvert, peut-être une convention Dauphine, ou justement, qui nous permettrait encore de développer l'ambition de nos élèves. On a aussi un partenariat avec une association, Réussir Île-de-France, qui se met en place, qui va être votée bientôt au conseil d'administration. Donc cette association nous permettrait de favoriser l'ambition des élèves. Voilà, donc ces dispositifs d'excellence nous permettent justement de hisser nos élèves vers le haut. Mais il reste encore du travail à faire, notamment en termes de post-bac. Voilà. En plus, on s'en est pas encore sorti pour dire qu'on est l'exemple à suivre, mais on essaye.